Madame Lissier, bonsoir. Merci pour suivre nous journal. Aujourd'hui, fait 160 ans depuis qu'il perd Jacques Désiré Laval. À Pau, ben pauvre, il quitte nous. Comment ça clanait beaucoup ben Mauricien et ben étranger rassemblés dans Sainte-Croix pour un moment la prière. Et hier, Premier ministre et Président République t'y assisté à la messe 8 et à soir, qui t'y présidé par l'évêque pour lui, Monseigneur Durone, une plaide pour fraternité dans nos sociétés. Maurice en a environ 160 espèces corail et que 12 là-dedans se tant dansé à cause du changement climatique. Ben expert japonais que mauricien, inzwen pour échange, ben donné, portage, ben pratique pour conserve, ben corail. Li considéré comme un enfant surdoué, lié à une passion pour l'univers et là, l'IP travaille, l'urban fusée prototype, c'est Michelangelo Moutou, nous besoin de lui dans sa zone là. Nouvelle vidéo, dans Nigeria, un camion l'essence inexplosé quand il tape avec un autre camion, 48 et du Mounimo et que 50 Tibéfinmo dans sa accident là. Expo Jeux Paralympiques de Paris, il termina hier après 10 jours de compétition. Maurice est représenté par 6 para-athlètes. Maurice y gagne sa première médaille signée Giovanni Philippe. 160 ans depuis qu'apôtre ban pauvre inquitnou dans Sainte-Croix azourdi ban fidèline réunie pour rassemblement spirituel pour rendre hommage au bienheureux Père Laval. Ça l'année là, encore sa pèlerinage là, elle symbolise un voyage spirituel et qu'un moment de réflexion. C'est un pèlerinage pour ban fidèle, pour zut ressourceut. Un pèlerinage pour zut retourne à ban source la vie à travers la foi. Exact l'année, ban mauricien et ban étranger participent dans Salamos là vers caveau bienheureux Jacques Désiré Laval. En l'étant la prière, méditation et que recueillement spirituel. Je suis venue avec les amis de l'île de la Réunion de passage à Maurice. Donc on est venu prier le Père Laval qui est l'apôtre des pauvres et l'apôtre de toute l'île Maurice. Et vos amies, elles viennent souvent à Maurice pour cette occasion? Tout à fait. Tous les ans, elles viennent à l'occasion de la fête de Père Laval. Un grand pèlerinage. Pour ban fidèle, Père Laval, c'est symbole même guérison. C'est la cause ça qui est nasse à la fois là envers lui. Moi, je fais promesse, je l'amène bien. Moi, tout le temps, je ne peux pas faire non, je me l'amène. Depuis que je viens là, je fais mes promesses, les veines, je me l'amène, retourne normal. Quand je viens prier, je suis guérison, moi aussi, je peux témoigner parce qu'à l'époque, je suis un abcès. Et quand je suis opéré, je suis abcès, je suis guéri. Mais je viens rendre grâce et surtout, je trouve son miracle. 160 ans après la mort, bienheureux. Père Laval, il a toujours un portage dans la vallée qu'il peut prôner, un portage des générations en générations. Pour célébrer Père Vinaz et aussi portage en famille. L'année qui t'emmène avec toi quand tu retournes la case? Un sourire. Depuis mon mariage, tous les temps, mon mari qui me fait reconnaître Père Laval et tous les années, nous venons. Étant jeune, je suis capable de marcher. Et maintenant, on ne peut pas marcher autant. Mais on vient même pas les jours, mais toujours. Pour moi, c'est un devoir comme si je me sens tellement bien quand je viens là. Pendant la journée, ban fidèle fin participe à ban la messe qui finit là pour sa l'anniversaire là. Fin met l'accent sur l'importance servi pays et prend ban responsabilité pour communauté. Comment Père Laval t'y faire? Hier soir, beaucoup d'immuninales vers Sainte-Croix ont été sortis depuis quatre coins Maurice pour accueillir au caveau bienheureux Père Laval. Zone fin assisté à la messe président République et que Premier ministre aussi sur place. Ensemble avec les autres bonnes personnalités, ont participé dans la messe 8h qui est présidée par l'évêque pour lui, l'inplaid pour la fraternité dans la société mauricienne. En l'allée Père Laval qui donne le ton pour en la nuit de louange au nom bienheureux Jacques Désiré Laval. Au milieu de la foule qui finit déplacée vers Sainte-Croix, plusieurs personnalités, parmi Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. L'IFINVIN participe à la messe 20h, présidée par l'évêque pour lui, Monseigneur Jean-Michel Durone. Soit avec vous.
Animée par la pastorale des jeunes, la liturgie de la soirée fin invite à une réflexion autour d'un engagement pour plus solidarité, pour bien-être. À nous acclame encore parole bon Dieu. Alléluia. Monseigneur Jean-Michel Duron, dans son homélie, fin appui l'île aux l'évangile des béatitudes pour appel ban fidèle, en particulier ban zen, à engazout, pour zout ban camarade, pour la société, pour pays. Quand nous venons dans Caveau Père Laval, Jésus aussi pose un regard au chacun de nous. Et mon quoi il est là, Dieu aussi l'y trouvé. Il pose un regard, Jésus, l'os à la foule là. Il pose son regard et il trouve peut-être solidarité avec nous, mais aussi qui guérison là, pas pour plus tard. Relève ben ce qui découragé, pas après l'amour. Le travail pour la justice, c'est pas plus tard. Encourage du monde dans différentes cultures, vive la fraternité, l'unité et la paix d'un pays multiculturel. C'est pas pour demain ça, mais c'est pour aujourd'hui. C'est maintenant que nous construisons les béatitudes. Le Père, le Fils. Après la messe, président et vice-président de la République, Premier ministre, entre autres, finale dans Caveau Père Laval, pour en la prière qui finit à Père André Senassi. Merci pour notre prime arc-en-ciel, sa beauté. Merci vraiment de notre prière et pour notre pays. Et que Monseigneur Jean-Michel Duron pour le Rome demain, pour la base jusqu'à le 20 septembre pour participer à une formation à Banévec qui ne fait que nommer. Sa formation-là, pour autour thème Vive la mission épiscopale dans une église synodale. L'objectif, c'est former eux dans l'exercice de cette responsabilité dans l'absence évêque de Port-Louis, CPR Georgie Kenny, vicaire général qui pour assure administration diocèse. Faculté des sciences depuis l'Université de Maurice en collaboration avec l'Université de Shizuoka, l'Institut de la biodiversité et de l'environnement et que Sun Life Mauritius organise un workshop l'urban récif corallien et que l'eau biodiversité face à changement climatique azondi dans Belmore. C'est l'urban recherche. Maurice est dans 160 espèces corail. Là-dedans, il y en a une douzaine qui est en danger. Cet événement-là, il fait l'objectif, c'est portage, ben résultat, ben recherche et ben bonnes pratiques pour conservation, ben corail. Ben récif corallien, c'est un écosystème marin qui est riche en biodiversité. Zot agir comme un boye naturel, que zot peut contribuer pour réduire l'érosion de man la côte et atténuer l'impact de man catastrophe naturelle. Maurice possède environ 160 espèces corail, mais avec man l'effet changement climatique, au moins une douzaine en danger. Peut-être un coup comme on peut restaurer ça man l'espèce qui nous peut être là et qui comment nous capable aussi propager ce qui nous est nouveau, ce qui nous peut découvrir. Mais une situation est en place pas trop bon. Il y a place, par exemple, depuis 70% couverture corail, il y en a moins que 1%. C'est assez dramatique. Mais il y a place comme Belmore, corail en coût 60 à 70%. Alors, dépend de la situation. Belmore est un grand lagon, il est aussi équilibré. Alors, corail là, il blanchit, mais il réfère. Fait qu'en flac, il y a un petit lagon. Corail là, blanchit, il est mort. Et dans l'étude qui est en cours concernant la résilience de man corail, l'objectif, c'est cultiver man bouture qui est capable de résister au réchauffement climatique. On peut faire recherche approfondie pour comprendre comment une espèce corail est résiliente, car elle survit au changement climatique, réchauffement de l'eau, réchauffement de la terre. Et en même temps, on peut guetter ce qui est moins résistant. Possiblement, est-ce qu'il nous capable de devenir résilient aussi. Et aussi, on peut guetter un coup, est-ce qu'il est activement nous capable d'être récif pour plante man corail. Mais nous avons ce qu'ils sont génétiquement bien. Voyez, ou bien nous pouvons mettre un seul clone partout qui est un coup de carpez et tout. L'Université de Maurice peut associer lui-même à l'Université de Shizuoka depuis Japon pour ban recherche concernant man corail qui est résistant à ban l'effet blanchiment qui est causé par changement climatique. Et dans man partie de man corail qui peut réutiliser pour cultiver un nouveau spécimen qui peut assurer un cycle de croissance en continu.
found some resistant, so heat resistant corals. Nous fin trouve ban corail qui résistant à la chaleur et nous les caractérise et aussi caractérise ban corail qui plus faible, guetter comment capable protège et conserve pour l'avenir ban récif dans Maurice. Mauritius reefs. Associé à ce projet-là, un centre de recherche marine de l'hôtel Long Beach peut aider à recréer à long terme un nouveau récif et un habitat naturel pour la faune et la flore marine. L'unique aspect ici à Long Beach, c'est qu'il y a l'hôtel en place, là où il y a une plante en place. Et bien, planter que de service chimique, des fois, ça va produire chimique, là, les rendre de l'eau, il y a affecté nous manager. Alors, si c'était ça, l'idée derrière, qui fait nous utiliser cette appel Marine Station here, pour qu'il nous capable d'engager toute la communauté en grand. Pour remettre le résultat de sa recherche là à l'autorité mauricienne, qui pour permettre de mettre en place un plan d'action pour prothèse nous man corail. Ben membre depuis US Air Force Defense Institute of Medical Operations dans Maurice dans cadre d'un atelier de travail avec ben élément National Disaster Risk Reduction and Management Center dans l'hôtel Le Méridien. C'est une formation pour renforcer ben capacité des ben autorités mauriciennes pour réagir à ben urgence concernant la santé publique et l'humanité et ben réaction face à ben catastrophe si à tout changement climatique. Vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, Dr Anwar Hosnou, t'y présent, ministre de la Santé, Dr Khaled Jagatpal aussi, t'y là-bas, ensemble avec ben les autres personnalités. Prépare Maurice pousser à une catastrophe naturelle avant, pendant et qu'après cette apparition, un atelier de travail une semaine l'urban urgence en matière de santé publique, d'assistance humanitaire et réaction à une catastrophe, peut faire pendant 5 jours. Ban représentant de différents départements en gestion de catastrophes pour un droit à une formation l'urban technique de réponse rapide, coordination ban soins médicaux d'urgence et optimisation ban ressources en situation de crise. Pendant les prochains jours, nous pouvons procéder à une série d'exercices pour qu'ils soient capables d'entraîner nous pour réagir, identifier les principales parties prenantes et déterminer les moyens qu'ils besoin mettre en œuvre pour être prêts quand ils n'en savent l'événement-là. L'atelier pour venir renforcer les compétences, résilience et capacité réaction à les catastrophes qui pour permettre à les professionnels de la santé être efficaces et réactifs quand il y a une catastrophe. Ban autorité mauricienne peut continuer à rester en alerte et prépare ban premiers intervenants. Maurice, les vulnérables à ban catastrophe naturelle. Présent à l'ouverture de l'atelier de travail, vice-premier ministre et ministre collectivité locale, Dr Anwar Hosnou, et ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagatpal. Maintenant, nous avons un medical aspect during disaster. Il faut aider nos officiers qui travaillent tout route, la tour, pas seulement disaster management, mais comme la police, SMF qui vient sortir, fire services. Sa formation-là est financée par l'United States International Military Education and Training Program et que les deuxièmes formations qui dispensaient dans Maurice pour la gestion des catastrophes. Et pour éviter ben, inondation et accumulation des lots dans pour lui, ben, travail a commencé dans Ruisseau du Pouce, sa bâtiment côtier à KFC là, à Porking Rogers et qui est Mauritius pour craser pour faciliter le passage des lots. Ben mort sans bilan qui trouve prêt pour bisin bouser. Dr Anwar Hosnou, vice-premier ministre et ministre collectivité locale, dit qui sa ben travail là, PFA pour sécurité tout du monde. L'ITIPE répond à une question à la presse après fonction US Air Force, leur gestion ben catastrophe. Nous pouvons essayer de trouver une solution pour vous. Dans quelques semaines, nous vous craser ce bâtiment Kentucky. Et Mauritius peut quitter et aller. Nous vous craser ce parking et Mauritius là. Nous discutons avec Rogers aussi. Nous vous craser ce parking Rogers là. Nous devons faire une façon qui ne nous pas un problème quand nous avons un flash flood. Parce que nous connaissons la rivière Sussex comment c'était. Nous vivons ça dans l'expérience l'année dernière. En janvier, en avril, nous vivons une expérience bien traumatique même. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous faisons un travail, la Poudrière, nous finissons commencer ce travail. Là, là. Vous trouvez là, il y a beaucoup de travail encore à faire. La rive Baden-Powell, là, là, nous écrasons la rive, juste pour avoir un bon flow de water during flood. Si vous dites que vous restez jusqu'à décembre, vous avez un flash flow en octobre. Qui est-ce que vous voulez? Nous prenons nos précautions. Alors nous devons continuer notre travail là, et ça peut être tout le monde. Et comment mon fin diao en titre Michelangelo Mutu, c'est un jeune surdoué. Actuellement, il travaille l'oban prototype de fusée. Il y a envie de faire carrière dans sa domaine là après ce dernier année dans secondaire. Être un enfant surdoué ou précoce est une particularité que l'on qualifie souvent comme une chance ou un don. Mais vivre avec des enfants de tel niveau d'intelligence demande beaucoup d'attention. Michael Mutu est justement un de ces enfants. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, Michael.
Le 25 octobre 2017, le plateau JT, Michel Angelo Moutou, s'est invité et au micro de Valérie Cali, il évoque son rêve et son passion. Mais l'année passée, le jeune Michel Angelo a continué son rêve dans l'astronomie. Il fait développer un prototype de fusée grâce à l'établissement scolaire quotidien. Il y a un matériel qui est bizarre et qui continue son recherche pour avancer dans l'ingénierie. Que ce projet, originellement, ça avait commencé il y a 7 ans, mais les premiers prototypes ont été actualisés cette année, il y a 2 mois, et le design final a été locked in il y a quelques semaines. Mon projet, c'est construire une fusée, et j'y suis au point où j'ai des pièces que je pourrais utiliser pour une fusée finale, et j'ai aussi des mots, ce que je pourrais utiliser pour prototyper des fusées plus avancées, comme avec le contrôle aérodynamique et tout ça. Donc, à la fois, j'ai ce que j'ai besoin pour le projet sur lequel je travaille maintenant et pour des prochaines évolutions de ce projet-là. Je ne pense pas que je suis différent. Je pense que j'ai juste beaucoup de passion sur ce que je travaille. Michel Angelo Moutou est passionné partout, conscient de son potentiel, et espère continuer à l'étude là-dedans et continuer sa passion. Sazen Mauricien a fait faire un test de ce prototype. Je veux faire éventuellement avec mon goal, avec cette expérience de fusée que je travaille, c'est de donner la capacité aux gens qui ont le même intérêt que moi à s'épanouir de l'environnement, les donner le mentorship spécifique que j'ai pas pu avoir à propos de rocket propulsion, en essayant de créer un genre de club qui régule ces genres d'activités. Dans 1 mois et demi pour faire une pause sur ma recherche et consacrer pleinement à mon examen de fin d'année International Baccalauréat Diploma Programme au Bocage International School. De bonnes nouvelles, Déo, dans Nigeria, un camion qui peut sortir l'essence, il tape avec un lot de poids lourd, hier, ça provoque une explosion, et qu'au moins 48 dimoun inmo, et qu'environ 50 tibef aussi inmo. Et sport, ben, Jeux paralympiques de Paris terminé officiellement hier après 10 jours de compétition. Tiens une cérémonie dans le Stade de France, en Saint-Denis, à côté de Grand La Foule. Tivin félicite plus de 4000 athlètes depuis 169 sélections qui y participent. Tiens des temps et demi spectacle. Au classement général, c'est la Sénégal, une sortie première avec 94 médailles d'or. L'Angleterre, une sortie deuxième avec 49 médailles d'or. Et que l'Amérique, une prend troisième place avec 36 médailles d'or. Et que dans les Jeux paralympiques, Maurice est représenté par 6 parathlètes. Pour la première fois, c'est un des deux athlètes qui gagne une médaille. Un moment historique dans 400 mètres T37. C'est Giovanni Philippe, une sortie 3e. Le premier Mauricien qui gagne une médaille dans sa compétition-là. Et nous faisons point aux nouvelles l'étang selon station météo Varkois, ben nuage depuis l'Est, point influence, le temps local, par moment, les temps pour correct dans la soirée, tard dans la nuit, les temps pour mi-couvert. Demain la journée, les temps pour correct, divan pour souffler depuis l'Est à environ 20 km/h, la mer pour agiter au-delà ben récif avec ben vague, l'eau démite. Marée haute demain 4h10 et 15h18, marée basse 21h45 et demain 8h56. Soleil pour lever demain à 6h10. Une fin arrive la fin de saison là. Merci une fin de suivi. Bonne soirée, l'Oban Salam BC.